Et puis, il faut rentrer au vestiaire. Pousse. On a la gorge qui se bloque un peu. Hein. On est pris un peu par l'émotion. Hein. Franchement, ouais. J'ai eu une ambiance de l'OM, des supporters pour l'OM et ce que ça représentait. Et j'avoue que j'étais très heureux de connaître ça. Ah oui, parce que c'est énorme. Alors, attention, hein. Il faut y faire face. Hein. J'ai fini ma carrière à Marseille. Mon dernier match, je l'ai fait au Vélodrome. C'était comme ça. Les circonstances ont fait que ma carrière se termine à Marseille pour des raisons personnelles avec Bordeaux. Je l'avais annoncé depuis avril ou comme ça. Il y a eu 3 matchs à l'extérieur, Toulouse, Montpellier. Et chaque fois, j'ai reçu des cadeaux de la part du club. J'avais beaucoup de Bordelais qui étaient venus. Il y avait beaucoup de Bordelais, la famille, les amis qui étaient venus également. Et ils avaient été très accueillis, très bien accueillis par les supporters de Marseille. Bah, j'ai eu un hommage, hein. On fait faire le tour d'honneur. Bah, donc j'ai le respect. On m'a donné le capitanat. Je suis rentré seul sur le terrain. Et puis l'arbitre qui me suit sur les réseaux, il y a quelqu'un qui m'a envoyé, quelqu'un qui a envoyé une photo de mon dernier match. Et l'arbitre a réagi en disant, oui, quand j'ai vu que c'était la fin du match, je me suis approché dans l'ingérence pour siffler, pour être le premier à aller lui serrer la main. J'ai trouvé ça sympa. Et effectivement, dès qu'il siffle, je suis là, je suis monsieur Vite, l'arbitre, c'était un côté sympa. Et puis, il faut rentrer au vestiaire. Pousse. On a la gorge qui se bloque un peu. Hein. On est pris un peu par l'émotion. Hein. Franchement, ouais. J'ai connu l'ambiance marseillaise, mais de pimpé. Ouais. J'ai pas connu l'ambiance que d'y aller jouer contre l'OM. J'ai eu une ambiance de l'OM, des supporters pour l'OM et ce que ça représentait. Et j'avoue que j'étais très heureux de connaître ça. Ah oui, parce que c'est énorme. Alors, attention, hein. Il faut y faire face. Hein. Il faut faire face. Si j'en ai vu des joueurs, malheureusement, qui avaient du mal, qui ont eu beaucoup de mal à s'adapter et ils étaient un peu liquéfiés par ça, ils n'arrivaient pas et subissaient un petit peu cette pression. C'était difficile, difficile pour eux. Je savais que le premier match que je faisais, il fallait que je le réussisse pour bien montrer que voilà, je suis là, je réponds. Et à travers tout, j'ai été élu joueur de l'année 87 par France Foot. Donc déjà, si vous voulez, j'ai même pas besoin de me justifier de mon passage à Marseille en disant est-ce qu'il a été, comment ça s'est passé? J'ai dit, écoutez, c'est pas moi qui parle. Regardez. Voilà. Ça, c'est pas moi, ça m'a été attribué. Puis, France Football, je lui dis, vous savez où c'est où c'est qu'il est édité? À Paris. Moi, je suis fier de ça parce que j'ai fait 2 ans, c'est les 2 ans de ma fin de carrière avec ce club et j'ai connu cette ambiance et j'ai voulu vraiment répondre à l'attente qu'on avait quand j'ai atterri là-bas.